Et bonjour tout le monde, c'est Revanche1000 et bienvenue sur un jeu qui a rien qui va marcher. Déjà moi j'ai le jeu qui passe en fenêtré quand il veut. Là il est en plein écran, mais plein écran. Tu vas me mettre en fenêtré plein écran s'il te plaît, tu seras mignon, sauvegarder. Et juste question, ok là on est pas mal, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va partir sur Ark Extinction. C'est une partie solo. Je peux? Ou je peux pas? Ah, non, je ne peux pas, pardon, c'était pas celui-là. J'en ai installé un autre, mais je sais plus lequel c'est. C'est Ark Aberration que j'ai installé? C'est quoi que j'ai installé? Ah, non, c'est la... merde, c'est pas Aberration. C'est quoi que j'ai installé? Merde, j'ai installé un truc, c'est le Ragnarok alors. C'est ça que j'ai installé? Ah, c'est ça! Putain, je suis trop con. J'installe un truc, je sais plus ce que c'est. Surtout que j'ai passé 4 heures à l'installer. Ah non, mais quand on est débile. Hein. La vidéo va être courte. Parce que c'est un test. Il faudrait que j'achète Ark Aberration. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air rigolo, Ark Aberration. Moi, je fais... Bon, moi, j'ai un temps de retard, hein, donc vous me connaissez. Surtout avec Ark, dans l'idée. Vu le prix exorbitant du machin. Moi, dans l'idée, je l'ai acheté quand il était encore en bêta. Enfin, il est toujours en bêta, mais quand il était vraiment en bêta, quand il était à 19€. Ça fait plus... Je l'ai acheté avant Fortnite. Avant que Fortnite sorte, pour vous donner une idée. Même en Fortnite n'était pas encore en alpha que j'avais déjà Ark. Donc bon, ça remonte un peu. Ça remonte un peu beaucoup même dans l'idée. Bon, on va voir si ça charge. Hein. Sinon, on aura de la musique. Bon, ça sera une vidéo courte. Hein. Je ne vous... Ah. Quoi, okay, quoi? Non, c'est rien, j'ai mon oreillette qui part en couille. Non, c'est rien, parce que j'ai une oreillette en fait dans l'idée. Une Jabra Steel, c'est très bien ce truc là. Et je viens de rallumer l'écran que j'ai à côté de moi. Et j'ai mon oreillette qui va venir mobile connected. Et je ne m'y attends, je sais pas pourquoi. Sachant que j'ai été connecté à celle-là il y a 2 secondes. Je comprends vraiment pas. C'est quoi que je voulais voir? Merde, je voulais voir un truc. Putain, appelez-moi Alzheimer, ça m'étonne. Je réfléchis à des trucs en même temps. Ouais, pendant que ça charge, un chargement de l'infini, vous connaissez Ark. Ah oui, non, je voulais chercher ça, mais je l'aurais pas. Je voulais chercher la date de sortie de Fortnite en alpha avec un live. Je sais qu'il y a un streamer qui l'avait fait en alpha, alors la sortie, avant la sortie officielle en fait. Ce streamer avait réussi à gratter auprès d'Epic Games, je ne sais combien de codes. Je crois qu'il n'était pas le seul, ou il était un des seuls en France à l'avoir fait, ou je sais plus ce qui s'était passé, ça fait plus d'un an maintenant. Et c'est à cause de lui, à cause ou grâce à lui, que j'ai acheté Fortnite. Et grâce à lui, ouais, bah, grâce à lui hein, puisque j'ai une OPSP. J'espère qu'elle sera peut-être publiée au même moment que cette vidéo. J'attends juste, si jamais elle n'est pas publiée en fait, si jamais elle est publiée, cette vidéo, l'arc est publiée après. J'attends juste le feu vert du mec. Hein. Parce que je suis en contact avec un mec de leur team qui s'appelle Alex. Et je veux attendre son feu vert. Pour être sûr que ça aille bien. Pour être sûr que j'ai rien foiré dans l'idée, ma première OPSP avec 27 abonnés. Tu fais pas le mariole. Si l'OPSP te plaît, tu l'as fait, point. Moi je vais faire ça. Si jamais j'ai d'autres OPSP, si elles me plaisent, je les fais. Si elles me correspondent, je les fais. Donc en gros, si c'est le bordel et que ça correspond à rien, je les ferai quoi. Parce que ma chaîne est bordélique et ça correspond à rien. Dans l'idée, dans les jeux que j'ai fait sur la chaîne, il y a quand même du Borderlands The Pre-Sequel, du Plague, Pirate Plague of the Dead, du Hearthstone, du Overwatch, du Sea of Thieves, du Minecraft, du Dead by Daylight, du Death, du Ark, tiens. Ouh là, qu'est-ce que c'est ça, hein. Merde, putain, j'avais les yeux fermés, j'étais en train d'énumérer. Nous on est, on va se bronzer un peu. Couleur de la tête. Ouais, brun c'est bien. Les yeux verts c'est bien. Taille de la tête. Taille de la tête. Oula. Allez, on va faire la côte au rap et ce sera très bien. Taille du visage inférieur, voilà. Putain, c'est vrai que j'avais oublié de voir ça. Ok, bon, on va la côte au rap. C'est de pire en pire. Allez, mais je me marre tout seul, mais je suis débile. Hauteur de la tête, hein, très bien. Fini au triphasé, radioactif.
Ne m'approchez pas, je suis radioactif. Ouais, ça va être ça le titre de la vidéo. Profondeur de la tête. Ouais, non. Ouais, allez, tiens, très bien ça. Longueur du cou, largeur du cou. Longueur du cou. Torse. Voilà, allez. Donc, ne m'approchez pas, je suis radioactif. Ouais, ah, ouais, comme ça, c'est. Hanche, hanche. Oui, bien sûr, oui, ouais. Allez, hop, tu augmentes ça, t'augmentes ça. C'est la largeur du torse. Ah, on va faire un cube. Allez, on va faire un cube. Hauteur du torse, non. Un cube ou pas? Un cube. Profondeur du torse, voilà, très bien. Bras. Mets tout au max. Non, ça. Voilà. Très bien. C'est encore mieux. Longueur des jambes. Non, tu me fais un nain. Haut de la jambe, bas de la jambe. Voilà. Parfait. Parfait, je ressemble quand même à rien. J'ai un doute sur l'orthographe de ce nom. Donc, je vérifie juste un orthographe. Sur un appareil où dans le nom commence pareil et finit par pad. Hein, devine ce que c'est, dans l'idée. Donc, oui, ça, je vous ferai une vidéo spéciale aussi, mais après le 17. Je m'en fous de ça. Sur le matos reconditionné. Peut-être pour montrer que le reconditionné, c'est des fois une très bonne alternative. Là, le nom que je vais donner, c'est un peu comme quand on appelle un cochon bacon, quoi, dans l'idée. Putain, non, j'ai pas l'orthographe, donc on va l'appeler au pif. Je dirais, quand on dit de quelqu'un qui est fini au triphasé. Ouais, non, triphasé, mais je suis trop con. Triphasé. Ouais, triphasé. Trois phases, triphasé. Ouais. On se dit, non. On va s'appeler triphasé de cette manière-là. Voilà. Ouais, ça fait fini au triphasé, c'est dans l'idée, c'est quelqu'un qui est fini un peu à l'arrache ou bercé trop près du mur, c'est le même principe. Les derniers que je connaisse qui ont utilisé cette expression, c'est les Chevaliers du Fiel dans leur sketch du chanteur nucléaire qui était fini au triphasé. C'est le même principe. Oui, le chanteur nucléaire, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui chante Lassim Kamil. Si vous ne le connaissez pas, recherchez Lassim Kamil sur Internet, c'est très sympa à écouter. Et donc, pour résumer, le personnage, né à proximité d'une centrale nucléaire, son frère est né dans la centrale, quand il passe à côté des lampadaires, les lampadaires s'allument. Pour ça que les radiations, c'est dangereux. C'est vrai que j'ai mon Chromecast ici. Je retrouve des trucs. Ouais, bon, le reconditionné, c'est bien, mais il y a des limites. Faut faire juste attention à ce qu'on prend. Donc pour parler un peu du reconditionné, il y a un gros site de reconditionnement qui est très très bien. C'est Back Market. C'est pas le premier article que j'achète. Mais il y a un truc avec eux, c'est que quand vous achetez un article, il sera encore disponible quelques temps sur Internet. Donc il est possible qu'une autre personne fasse une tentative derrière, mais ça échoue. Donc dans ces cas-là, l'argent est prélevé puis remboursé automatiquement dans l'heure. Moi j'ai eu le cas une fois, j'avais trouvé un ordinateur reconditionné. C'était un HP Omen 17 pouces. Il avait 8 Go de RAM, 2,5 Go de. C'est le même que celui que j'ai actuellement, sauf qu'à la place d'une 1050, il y avait une 1060. C'est la seule vraie différence. Là, je ne suis pas sur le HP, hein, je suis sur le MSI. Le HP, c'est celui qui m'a permis de tourner les premières vidéos Arc. Et donc, pour finir sur cet ordinateur, ce HP, le 17 pouces, que j'ai essayé de commander, il n'a pas été. L'argent a été prélevé et remboursé dans l'heure, puisque l'ordi avait déjà été vendu. Le temps que la page s'actualise, que le paiement de l'autre personne soit validé, le temps que le paiement du premier acheteur soit validé, en fait, ça laisse encore l'annonce. Si le paiement est refusé, l'annonce est remise, ou si la personne annule, c'est remis, ou je sais pas, il y a un truc. Mais en tout cas, je n'ai pas eu l'ordinateur, et donc je me suis acheté le HP juste après. J'ai acheté à la Fnac. J'étais à la Fnac. J'étais à la Fnac, j'avais une furieuse envie de me ramener un ordinateur. Donc j'ai acheté un ordinateur à la Fnac. Ouais, faites-moi pas chier, j'achète des trucs à la Fnac, et alors. D'ailleurs, il était pas très cher. Ouais, quoique, il était un peu cher quand même. Mais pas trop. Mais il est bon. Bon, le jeu, tu fais quoi? Oui, après, ouais, bah en fait, c'était pas tout à fait un reconditionné, mais c'était pas un neuf, techniquement.
puisque c'était un modèle d'exposition. Mais bon, les modèles d'exposition, question perfo, il y a peut-être la batterie qui est un peu touchée, mais dans l'idée, il a encore 13 heures de batterie, donc je vais pas m'en plaindre. Après, sinon, celui-ci, le MSI que j'ai là, il a un petit problème de disque dur. C'est ça son problème en fait. C'est l'écriture du disque qui n'est pas bonne, parce que le disque fonctionne en fait. Il a été vérifié, il fonctionne. Mais ils n'ont pas testé les performances à un haut niveau et il ne vient pas de Backmarket mais d'EasyCache. Donc ça, c'est un autre site de reconditionnement. Sinon, il y a d'autres sites. Il y a Cache Converter, je crois, qui fait du reconditionné. Il y a. Après, EasyCache, c'est. Ah putain, j'ai perdu les noms. Ouais, Cache Converter, oui, ça c'est bien du reconditionné. Bon, il y a Boulanger qui fait du reconditionné. Il y a Darty qui en fait aussi. Il y a. J'essaie de vous retrouver des noms, des magasins qui font du reconditionné. Mais des fois, c'est vraiment rentable en fait. Là, l'iPad que j'ai acheté, c'est un iPad mini 2. On passe d'un prix de 400 euros à 100 euros pour un appareil comme neuf. Faut tomber sur les bonnes occasions. J'ai failli à un moment acheter un ordinateur. C'était un gros truc, hein, 17 pouces, 32 Go de RAM, une 980M. Non, même plus que ça. C'était une 980 ou autre chose, je sais plus. Je sais plus si c'était une 980 ou une 1060 ou une 1070. C'était une grosse carte graphique, quoi. Un i7 3,5 GHz. Un disque dur de 1 TB et des brouettes. Je pense que c'est une personne qui l'a donné et qui voulait faire que 30 euros de marge. Parce que le premier modèle est à 30 euros, le deuxième est à 120 euros. Pour un ordinateur avec 32 Go de RAM. C'était pas mal. Bon, Arc a l'air de m'avoir totalement planté dans les doigts, donc oh, je vais juste vérifier ça. Je sais pas si le record a planté ou pas, j'en ai pas la moindre idée. Le record n'a pas planté, mais le jeu là. Là, il est à la fraise, j'aurais dû m'en douter depuis le moment où je n'avais plus la musique. Donc oui, des fois, en fait, juste pour venir sur le conditionnel, attends que je fasse mes vérifications. Ah oui, d'accord, il me bouffe 66. Hein? Ah oui, ça. Il me bouffe 30% en fait. 30% de RAM là. Bon, fin de tâche. Allez, hop, je ne sais pas. Vous ne voyez plus rien, c'est tout à fait normal. Puisqu'on va partir sur du. One eternity later. Few moments later. Bon, de retour après un fail monumental et une belle chute de micro. Pour un truc, je sais même pas sur quel serveur je vais aller. Je voulais faire du multi sur Minecraft, mais j'ai plus les IP. Putain, je prépare rien, je suis trop con. Ok, hein? D'où il est passé un partage de connexion celui-là? Quoi donc en ce truc? Hop. Serveur Minecraft. On va tenter à IVMC. Ce sera plus prudent. Direct connect. J'ai plus l'IP, je sais, je connais le serveur et j'y suis tout le temps dessus. Enfin tout le temps. Régulièrement dessus, mais je ne l'ai plus. J'appelle les plaies. Ok. Donc c'est play. Il veut. MC.com. Voilà. Ou comment une vidéo Arc part en couille. Ça, je ferais mieux de le déconnecter lui. Au départ, c'était une vie. Au départ, c'était vraiment prévu pour être une vidéo Arc. Hein. Pour de vrai. Il y a quoi à faire là-dessus. Allez, vu qu'on a la connexion qui va avec du Death Run. Oula putain, ça bonjour. On va aller dans une cave, tiens, c'est très bien. Et donc, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Attendez, on va s'entraîner, on s'entraîne. Ah mais putain mais. Hop là. Ça va, c'est pas moi, on est plusieurs.
putain, j'ai perdu en jump. À un moment, j'étais presque doué. Mais c'était il y a un moment, ça. Là, ça fait, pour vous dire, combien de temps que j'ai pas joué à Minecraft. Et merde. Là, je suis concentré à mort. Et merde. Bon, oui, ça fait 6 mois. Bah, je vais y arriver, oui. Je vais pas me casser la gueule de ce truc. Ça fait presque un an. Non, j'ai presque 6 mois en fait que j'ai pas fait de jump Minecraft. Ou regardez la date de la dernière partie en PVP. Bon, j'ai la moitié des textures qui portent en couille, mais c'est pas grave. Putain, mais je me prends toujours le muret à cet endroit-là. Oui, j'ai déjà mes sélecteurs. Hein. J'ai le joueur français de retour. Donc, Cave, par la team Nectar. Je sais pas ce que c'est la moitié des items. Bon. Là, sincèrement, je sais que ça, c'est des feuilles. Ça, c'est du prismarine. Et ça, c'est des glaces. Et ça, je sais que ça tombe. Quoi, il n'y a pas de... On s'est fait baiser, là? Ah, merde. Il y avait un trou. J'ai pas vu. Sincèrement, là, il y avait trop de monde, je voyais pas le trou. Ah, mais merde. Putain, le jump qui est pas assez. Ah, mais putain, je peux même pas me gratter. Je vais me gratter la joue. J'ai la joue qui est grattée. Non, mais je suis dernier. Oh, t'es sérieux? Je suis trop nul en jump. Ouais, je suis pas tout seul. Voilà. C'est par où? Ah, c'est là. J'ai passé le premier jump avec succès. Hein? Ah. Putain, mais... C'est par où? Ah. Putain. Mais ce pack de textures me perturbe, sincèrement. On en refera une après. Hein. Maintenant que je me suis habitué aux textures, on pourra en refaire une. C'est juste les textures qui m'ont fait ultra bizarre. Ah, bonjour. Ah, je suis pas tout seul. Oui, je suis peut-être pas dernier. Je suis peut-être avant-dernier. Oups. Et merde. Ah non, je suis en bas, je suis trop con. Et merde. Bon, on va abandonner, je crois. Il reste combien de temps? Oh, on a le temps encore. Ça va. Bon, ça va, on a le temps. On a le temps, on va même arriver à finir. Le jeu est bien fait en attendant. Yep. GG, il y avait des morts. Join a new game. On va essayer de faire mieux. Attendez, on va se rattraper. Parce que là, cette vidéo, ça part un peu en couille. On va déjà faire un truc, ressource pack, dégagement le Serena HD. Merci, ah merde, putain j'ai pas validé. Minecraft c'est de la merde. Et après ça lance, ça arrête. Je monte ça, je publie ça demain. Donc vous, pour vous c'est aujourd'hui, pour moi c'est demain.
Et voilà. T'as bien meilleur skin, toi. Avec le serrénage, ça donne autre chose. Ah, c'est de la Mossy qui faisait des croix bizarres. C'est de la Mossy Cobble qui faisait des croix Ultra Space. Elle revient là, hop. Bon, je suis toujours aussi... Oh, c'est nul en jump. J'ai plus les réflexes, c'est une catastrophe. Oh. D'accord. Ok. Là, maintenant, je vois les portes, le portail. Le portail bleu, ça faisait... C'était spécial. Ah, ils ont pas l'air de laguer, ça va être plus compliqué. Et merde. Bon, on est avec tout le monde, donc c'est bon signe. Oh putain. T'es sérieux, c'est pas passé. Un demi-bloc près. Pardon, pardon. Oh putain. Là, il faut pas sauter là dans les trucs comme ça. Bon, le jump, on va pas se fatiguer. Hop là. Oui, il faut utiliser les trucs de passage. Hein. Hop. 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 La technique du hop qui marche super bien dans ce jeu. Ouais, je suis plus assuré en jump, hein, vous le voyez. Mais j'arrive, putain, j'arrive quand même à avancer. Donc là, c'est là-dessus, 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 là-dessus. Continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Hop. Et on n'est pas dernier. Je crois voir quelqu'un. Oh, il y a des gens. On arrive même à voir des gens et tout. Je l'ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de me reculer. Ah, dead. Oh merde. Oui. Oh, cinquième, putain, c'est un miracle. Oh, c'est un miracle. Oh, une piaf. Putain, la map est magnifique. Par contre, la map est sublime. Le pool play est beau. Des piafs, des perroquets, la course. C'est une espèce de map pirate qui est assez jolie, je trouve. Un volcan en éruption ou un poulpe. Ah, une mouette qui est très jolie, qui est bien faite, finalement. C'est un volcan en éruption qui est pas dégueulasse, foncièrement. Non, la map était jolie. Ben, les mecs. Bon, ben. Nous, finalement, bon, on s'arrête là. Oh, quoique, attendez. On va faire un truc. Merde, que j'ai fait. Non, c'est bon, ça marche. Le serveur est joli. Donc. Ouais, non, je vais faire la miniature, mais sur du arc. Ouais, je vais faire la miniature sur du arc. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. J'ai vu un truc bizarre. Normalement, je vais avoir un cheval. Je vais avoir un thriller. Je vais avoir un bandage. Et je vais avoir un XP Cloud. Voilà, je suis bien comme ça. C'est pas mal pour finir cette vidéo de luxe. Allez les gens, je vous dis des bisous et à la prochaine, c'était Revan 11000. Bye bye!